Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Ose. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'hypnose spirituelle. Et pour cela, je vais recevoir la praticienne Alice de Sousa, avec qui moi-même j'ai effectué une séance qui était très intéressante. J'ai décidé de vous montrer à quoi peut servir d'hypnose spirituelle pour que vous soyez au moins au courant de ce que c'est, et peut-être pour aller au-delà de certaines croyances qu'on a quand on est praticien en hypnose ericksonienne, ou praticien en hypnose tout court. La première partie de cette vidéo sera sur la présentation d'Alice, de ce qu'elle fait et de ce que c'est concrètement l'hypnose spirituelle, dans quel cas ça fonctionne et comment cela fonctionne. La deuxième partie sera des questions de praticiennes que je me suis posées et j'aimerais vous faire partager les réponses. Bonjour Alice. Bonjour Edwige, comment vas-tu? Bien, je suis super contente que tu sois là pour, pour partager aussi. Tout ça avec nous. Tu pourrais commencer par te présenter? Oui. Donc, dans cette vie, je m'appelle Alice de Sousa et je dis souvent que je suis venue apprendre les règles du jeu pour jouer à la vie. Oh, sympa. Et donc, tu fais de l'hypnose spirituelle? Tout à fait. Je suis maître praticienne depuis 2017 et j'ai appris l'hypnose spirituelle avec Jean-Charles Chabot. D'accord. Pourquoi? Pourquoi en venir à ça? Pourquoi j'en suis venue à ça? Parce que, en fait, avec mon nom, tu as dû comprendre que je suis d'origine portugaise. Il y a certaines croyances par rapport à l'ésotérisme. Et pour moi, c'était une forme de manipulation. Et je me suis dit, si on doit savoir quelque chose, autant savoir par soi-même. Parce que aller voir quelqu'un qui vous dit votre avenir ou ce qui s'est passé dans votre passé, ce n'est que la version de la personne et pas véritablement la nôtre. Donc je me suis dit, l'hypnose, ça a l'air pas mal. Et en fait, la personne pourra voir elle-même ce qui lui appartient et pas par une tierce personne. Donc l'hypnose spirituelle, comme je crois à d'autres choses, à d'autres mondes, à d'autres niveaux de conscience, à d'autres énergies, à d'autres niveaux d'auto-vibratoire, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi par soi-même et on peut trouver sa vérité qui n'appartient qu'à soi. Donc le vivre par transe, par hypnose. D'accord. Voilà. Et comment ça s'apprend ça du coup? Comme toute formation en hypnose, voilà, tu suis une formation. Il y a des niveaux? Tu as le technicien, le praticien. Maître praticien, comme en hypnose classique. D'accord. Tout à fait. Et c'était quelle école? Tu peux juste... C'est l'Institut International d'Hypnose Spirituelle. D'accord. Dont Jean-Charles Chabot est le fondateur. Ok, d'accord. Le cofondateur avec son cousin d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Voilà. Alors maman, rentrons dans le vif du sujet. L'hypnose spirituelle, dans quel contexte on vient consulter pour ça? C'est souvent dans un parcours de développement personnel, mais plus dans une conscience de qui l'on est et de ce que l'on est venu faire dans cette vie, pourquoi je suis ici, et qu'est-ce qui m'est arrivé, et pourquoi j'ai cette maladie, pourquoi j'ai ces récurrences. Il y en a certains aussi qui viennent un petit peu, comme on pourrait appeler ça, pour du tourisme spirituel. Du tourisme spirituel, oui, c'est joli. Dans les débuts, j'ai eu un petit peu de ça, du tourisme spirituel, où les gens voulaient absolument voir leurs autres vies intérieures. D'accord. Est-ce que tu as des demandes comme l'arrêt du tabac ou les addictions, des choses comme ça ou... Non. Non. C'est vraiment savoir comprendre ce qui s'est passé et qui a un impact sur cette vie actuelle. Oui. Et puis aussi attendre l'entrevie pouvoir poser des questions plus subtiles, on va dire. Du coup, est-ce qu'il y a un objectif dans la séance quand même ou c'est vraiment juste aller visiter des vies antérieures et voir ce qui se passe? Non, il y a un objectif parce qu'en fait, la personne fait une liste de questions. D'accord. Par rapport, par exemple, à la maladie, par rapport au fait pourquoi je suis dans cette famille, pourquoi... Pour diverses questions dont la personne s'interroge. Pourquoi j'ai toujours cette problématique? Par exemple, je ne sais pas, une personne qui a toujours des problèmes avec de l'argent ou des relationnels avec les hommes, les femmes, ça dépend quel genre on est. Voilà. C'est vraiment s'interroger et trouver une réponse qui peut être dans une vie antérieure ou des choses à bien comprendre, que les gens après appellent ça karmique ou pas. Du coup, ça ressemble à quoi concrètement une séance d'hypnose spirituelle pour toi? Ça commence comment? Il y a une induction? Voilà, tu as un protocole, donc il y a l'induction pour mettre en transe hypnotique la personne le plus profondément possible. D'accord. Pour atteindre, donc on peut l'appeler l'inconscient, la conscience, le moi supérieur, le subconscient, ça dépend comment on veut l'appeler. Et pour vraiment atteindre ce parcours
que moi je fais aller vers la personne jusqu'à une porte, et après cette porte, je ne dirige plus. C'est vraiment l'inconscient qui va emmener la personne dans une vie antérieure, et puis des fois directement dans l'entrevie, ça dépend aussi. Qu'est-ce que tu sous-entends par entrevie? Entrevie, c'est ce passage où tu vas faire une analyse de ce que tu as vécu, d'accord, de ce que tu as acquis, et ce que tu as encore à apprendre, et ce que tu souhaites encore apprendre pour la prochaine vie. C'est vraiment ce passage entre deux vies, c'est pour ça qu'on dit entre deux vies. Voilà. Combien de vies antérieures on peut visiter dans une séance? Ça, c'est variable. Ça peut être une, deux, trois, ça dépend. Ça dure longtemps une séance hypnospirituelle? Oui, ça peut durer entre 3, 4 heures, 2 heures. 3, 4 heures, 2 heures, ouais, ouais. C'est quoi le minimum, tu penses, pour une bonne séance, de ton point de vue? C'est pas une question d'horaire, en fait, une bonne séance. C'est vraiment ce que la personne va avoir comme réponse, comme acquis, c'est vraiment pas une question de temps, en fait. Et donc, on a une liste de questions, si j'ai bien compris? Oui, pour l'entrevue, oui. Et du coup, ces questions, toi, de ton point de vue, c'est qui répond à ça? À ces questions-là, c'est l'inconscient de la personne? Oui, pour moi, c'est vraiment ce moi supérieur, c'est son conscient, sa conscience qui parle, mais on peut aussi demander à parler avec son guide. Son guide? Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que c'est, son guide, généralement? Un guide, ça, c'est un être de lumière. Pour moi, c'est une énergie qui prend une forme selon nos croyances, hein, qu'on soit catholique, musulman. Il va vraiment prendre une forme qui va nous rassurer dans notre croyance de vie actuelle. Pour nous guider sur notre chemin, il nous guide surtout pour voir si on accomplit bien ce qu'on a choisi de faire, d'apprendre et d'acquérir dans la vie. Et ça c'est le guide, il va pouvoir nous aider à répondre à aux questions, c'est oui, ça? Oui. Et est-ce qu'il va nous aider aussi dans les vies antérieures, dans cette vie-là? Non, les vies antérieures, c'est vraiment la personne qui vit la vie, qui parle mes questions qui sont ouvertes et pas fermées. Qui va, dans ce processus, il va vraiment développer ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit de cette vie, jusqu'à un moment donné où, après, dans l'entrevue, on peut en parler, voir ce qu'il a compris, d'accord, ce qui a été nécessaire et juste pour lui, pour cette vie actuelle. Ok. Et sinon, il faut combien de... Enfin, vu qu'il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de demande, c'est quoi? Il faut combien de séances? Est-ce que toutes les séances se ressemblent en termes de protocolaire, est-ce que ça se ressemble? Le protocole d'induction, oui, est toujours le même. D'accord. Après, les vies antérieures, non. Elles ne se ressemblent pas du tout. Pour moi, elles ne se ressemblent pas parce que, en fait, la problématique, quand il y en a une, ou ça peut être une simple question simple d'apprentissage et d'évolution, donc non, elles ne se ressemblent pas. C'est vraiment... par rapport à ce que tu as à vivre. Et des fois, tu peux avoir une question et tu vas voir absolument autre chose parce que ta conscience supérieure ou ton guide va estimer que ce n'est pas à ça qu'il doit répondre, mais c'est à autre chose qui est plus important que tu comprennes, que tu apprennes et que tu développes après. Donc, même si on vient avec une envie de chercher quelque chose, ce n'est pas toujours ce qu'on trouve. Voilà. Un peu comme en thérapie générale, je pense, c'est où ça. On peut tomber... Mais c'est quelque chose que la personne, du coup, doit apprendre à ce moment-là de sa vie qui est plus importante que sa propre question. Et est-ce que ça arrive qu'il y ait des questions où il n'y ait pas de réponse? Ça peut arriver, oui. C'est volontaire, j'imagine Oui, c'est parce qu'ils estiment qu'il n'est pas prêt, le sujet n'est pas prêt à entendre la réponse ou qu'il n'est pas prêt encore à comprendre, à acquérir cet apprentissage-là. Quand tu dis « ils estiment », tu parles de qui? Des guides, comme de sa conscience. Donc il peut y avoir plusieurs guides, oui, aussi. Oui, aussi. D'accord, et ça peut, les guides, ça peut être aussi, il y a beaucoup de gens qui demandent ça souvent, par exemple, ma grand-mère qui est morte, j'ai l'impression qu'elle est avec moi, qu'elle me donne des conseils, est-ce que ça pourrait être des guides aussi? Oui, bien sûr, on peut avoir des guides proches, donc des guides de famille, comme des amis qui peuvent être votre guide, comme on peut avoir aussi des guides, je dirais pas supérieurs, mais des guides, des êtres de lumière, parce qu'en fait, on est vraiment... Des anges, par exemple? Les anges, c'est pas des guides. D'accord. Les anges, c'est vraiment plus une protection, plus... C'est différent. C'est un autre niveau énergétique. C'est autre chose. D'accord. Et du coup, ces guides, ils se manifestent. Et est-ce qu'ils se manifestent que pendant la séance ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut garder un peu comme une ressource? Tu sais, un peu comme en fin de séance, des fois, on a des ancrages positifs qui peuvent nous aider au quotidien. Est-ce que, un peu comme l'inconscient, quand on peut décider de communiquer avec quand on veut? Oui, c'est ça. Est-ce que, en fait, on peut penser qu'un guide, c'est comme un inconscient. C'est comme une intuition, finalement.
on a l'impression, bah tiens, tout, j'avais jamais pensé à ça, et puis c'est peut-être simplement quelque chose qui t'a été soufflé. Et du coup, une première connexion, tu sais, un peu comme les premières discussions qu'on a de conscient à conscient, est-ce que ça peut se réitérer sans transe profonde, soi-même, chez soi, un peu comme de l'auto-hypnose, mais du coup avec ouais, oui, il peut y avoir, on peut revenir avec certaines capacités, ouais. Que ce soit comment on appelle ça, parapsychologique, oui, pardon, parapsychologique. Comme ça peut être des connexions qui étaient déjà là, qui en fait, on a fait que les sortir, mais elles étaient latentes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont déjà ces capacités-là, mais qui pensent que bon, c'est pas vraiment, c'est normal. Et en fait, elles se développent plus. Et puis d'autres qui ne l'ont pas, qui les acquièrent. Du coup, toi, ce serait mais quoi? C'est pas, ça peut pas dire que ce soit à chaque fois. D'accord. C'est vraiment au cas par cas aussi. Au cas par cas. Il y a des séances que tu refuserais, toi, à faire à des gens? Par ton ressenti ou parce qu'ils ont une question qui ne te paraît pas... Non, c'est plutôt par rapport au médical. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas... Je sais médical, pas, d'accord. Voilà. Ça, je ne sais pas traiter. Donc, les troubles de la personnalité voilà. grave. Voilà. Ou ça, je pose toujours la question. Les douleurs voilà. physiques, du coup. Si c'est des douleurs chroniques, est-ce qu'on peut... une douleur chronique qui pourrait... Je ne pense pas que ça empêche. J'ai jamais eu le cas, mais je ne pense pas que ça empêche... D'accord. Donc un peu comme en thérapie, la limite, c'est évidemment là où notre domaine de compétence n'est voilà, pas... c'est ça. Voilà. D'accord. Du coup, Alice, merci pour toutes ces informations. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on que je te pose des questions que moi oui, je me pose sûr. En tant que praticienne et je pense qu'ils pourront intéresser les gens qui regardent cette vidéo. Alors, déjà, j'ai un truc très important sur les faux souvenirs. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une peur qu'ont beaucoup de praticiens en hypnose, du coup, ericksonienne, hypnose rapide, peu importe. C'est toute cette histoire de jusqu'à quel point on sait si un souvenir est vrai. Déjà, il faudrait partir du principe que quelque chose est vrai. Donc, ça fait déjà beaucoup de présupposés, mais surtout en hypnose spirituelle et surtout en vie antérieure, on peut se poser cette question. Du coup, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Bah écoute, les faux souvenirs peuvent se créer aussi dans la vie comme dans l'hypnose normale. Donc, comment savoir si la personne a un faux souvenir ou pas? Il faut être dans sa tête finalement. Ouais. Et puis comme dans les vies antérieures, finalement, on peut accéder à une vie antérieure, comme on peut accéder à la conscience collective, comme on peut accéder au transgénérationnel. Finalement, on ne sait pas si c'est un faux souvenir ou pas. Mais on sait dans l'absolu que ce que vit la personne sous hypnose, c'est vraiment pour un apprentissage, pour un acquis, pour une évolution pour elle. Donc, métaphore, ésotérisme, faux souvenir, l'important, c'est que la personne trouve sa réponse pour qu'elle comprenne ce qui se passe dans sa vie actuelle. D'accord. Mais du coup, la question que je me pose, moi, c'est quand même donc les vies antérieures. Jusqu'à quel point t'influences en fait la séance? C'est-à-dire que à quel moment tu laisses la personne est-ce que tu lui donnes une date? Est-ce que tu lui donnes un lieu quand t'as fait des vies antérieures? Comment ça se passe? Non, à la limite, la seule influence, entre guillemets, que je donne, c'est durant le protocole d'induction. D'accord. Après, quand je arrive, parce que bon, je fais passer un couloir, il y a des portes, la personne choisit une porte, et derrière cette porte, il y a une vie antérieure. À partir de là, je ne gère plus rien. C'est la personne qui va percevoir ce qu'elle vit, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle ressent. Et moi, je vais poser des questions par rapport à ce qu'elle me dit, tout simplement. D'accord. Donc, en fait, j'essaie de faire des questions les plus ouvertes possibles. Ton levier d'influence, ton influence s'arrête au moment où cette personne passe cette porte, c'est voilà, ça? C'est ça. Et avant, c'est juste pour que l'esprit ait une idée, un peu comme en hypnose, quand on sert d'un escalier pour faire une induction, voilà, c'est ça? C'est ça. C'est pour donner à l'esprit quelque chose pour s'occuper. Et après, en fait, ça vient tout seul. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a rien qui vient? Ça t'est déjà arrivé? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je ne saurais pas te répondre par rapport à ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais tu lances quand même le présupposé que derrière cette porte, il y a une vie antérieure et parfois, c'est voilà, suffisant pour voilà, que... c'est ça. D'accord. Et du coup, une fois qu'elle a passé cette porte, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est elle qui te décrit ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent? C'est ça, c'est elle qui me décrit ça. Et parfois, elle peut mettre un peu de temps, donc je la laisse vivre son expérience. Et je peux lui dire, bah, écoute, quand tu te sens prête à vouloir me décrire ce que tu perçois, ce que tu vois, tu me parles, je te laisse me parler. Qu'est-ce que tu fais avec les gens qui n'ont pas envie de partager? Tu peux quand même faire ta séance, un peu comme on fait en hypnose des fois à l'aveugle. On sait que la personne est bien, on est là, on calibre que tout voilà, va bien, c'est mais ça. On n'agit pas plus que ça. Quoi. Ouais, on lui laisse vraiment vivre son aventure. C'est vraiment une aventure
d'apprendre des choses sur soi finalement. Donc voilà, oui, je la vivre. Tu la vivre? Ouais. D'accord. Et du coup, à la fin de la... Il y a une fin, j'imagine, dans cette vie antérieure, c'est ça? Normalement, ça s'arrête? Elle peut passer, ça arrive aussi des fois qu'elle passe d'une vie antérieure à une autre. Directement. Et on se dit, tiens, il y a un truc qui est plus pareil, qu'est-ce qui se passe? Et là, on peut poser la question, mais est-ce que tu es dans la même vie ou est-ce que tu es dans une autre vie? Est-ce que tu as l'impression que tu es toujours dans la même histoire? Et là, ça peut arriver de dire, ah bah non, finalement, là, je me sens comme je suis une petite fille. Et je suis dans une autre époque. D'accord. Et si tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est le jour ou la nuit? Tu poses vraiment des questions. Donc on est sur du langage plutôt flou, on est d'accord? Ouais, on n'est pas ça. Dans le... le but, c'est qu'elle te dise vraiment... Ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent. Et après, elle le vit en associé ou en dissocié plutôt du coup? Elle peut vivre en associé comme elle peut le vivre en dissocié. Ça dépend du besoin du moment. Voilà, si c'est quelque chose de traumatisant, on peut dissocier la personne oui. Pour que ce soit moins difficile à... Ouais. Et elle va en tirer le même apprentissage quand même. Oui, mais peut-être pas dans les ressentis. D'accord. Elle peut avoir la même compréhension, mais peut-être pas dans le même ressenti. Parce que quand tu vis quelque chose, c'est toujours plus profond ouais. Que quand tu le vois l'histoire de loin. D'accord. Et du coup, quand elle a fait toutes les vies qu'elle avait besoin, il se passe quoi après? Bien, écoute, on peut l'amener à la dernière minute, dernier moment de cette vie. Oui. Pour accéder après à l'entrevie. Et dans l'entrevie, c'est là où il se passe quoi dans l'entrevie concrètement? C'est les questions? C'est les questions, c'est là où tu poses tes questions. Et c'est après les vies antérieures plutôt. Enfin, les questions que la personne souhaite poser. Et du coup, ce qui répond à ce moment-là, c'est les guides? Ça peut être la personne, avec ses guides, par exemple. D'accord. Et tu peux demander aussi à accéder aux guides qui viennent... ça fait un petit peu possession, mais non. C'est ce guide ou cette conscience supérieure qui peut venir... parler à la place de la personne. D'accord. Et du coup, après, tu lui fais un réveil, j'imagine? Oui. Qu'est-ce qui se passe généralement après le réveil? Comment ils sont, les gens? Est-ce qu'ils sont un peu sonnés, des fois, comme on a l'impression en hypnose? C'est un peu comme toutes les hypnoses, finalement. Ouais. Soit tu te retrouves avec des gens qui sont totalement submergés d'amour, parce que par rapport à ce qu'ils ont compris, il y a quand même pas mal d'amour. Il y a aussi beaucoup de compréhension. Ils se disent, mince, j'avais pas vu ça. Oui, je comprends mieux pourquoi. Comme ça, il y a vraiment un système de compréhension sur diverses choses. Et ils t'en parlent? Ça arrive, ouais. Est-ce que c'est bien d'en parler après une séance? Parce que des fois, on dit que c'est bien de ne pas trop parler de ce qui s'est passé. J'hésite aussi parce qu'après, le mental va sur la prise de conscience et c'est plus la même chose par rapport à l'apprentissage, quoi. D'accord, donc des fois, ça t'arrive juste de laisser la personne la réveiller Il l'a laissé, j'attends en fait, j'attends un peu, voir comment elle revient. Voir comment elle parle, voir comment elle comprend, son regard aussi, en fait, calibrage. Et du coup, là, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'est-ce qui se passe si la personne, elle te demande si elle est persuadée que c'est son souvenir et qu'après, elle va voir d'autres personnes et qu'elle leur dit ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, par exemple, d'avoir en séance quelqu'un qui vient et qui te dit j'ai fait des vies antérieures? C'est bizarre parce que là, j'ai pas vu les mêmes. Mmh. Ce qui est possible, du coup, j'imagine, oui, parce qu'on peut en avoir beaucoup, oui. Voire beaucoup bien, on peut en avoir. Je sais pas. On peut tout avoir. Et j'ai cru comprendre qu'on pouvait avoir des vies antérieures qui étaient à nous et qu'on pouvait aussi voir des vies antérieures d'autres âmes, si j'ai bien compris, parce qu'on a quelque chose à apprendre. C'est ça. En fait, on peut accéder donc à des vies antérieures qui nous sont propres, comme on peut accéder à la conscience collective, comme on peut accéder à des mondes plus extraterrestres, comme l'a enseigné Dolores Cannon, comme on peut aussi accéder à du transgénérationnel. Oui. Donc voilà, tout. Donc il y a beaucoup de choses qui est possible. On peut accéder à beaucoup de choses. Et du coup, juste pour revenir à la question de base sur les faux souvenirs, en fait, si j'ai bien compris, on s'en fiche un peu parce que c'est un peu comme dans toute séance, il se passe des choses, ça s'enregistre quelque part dans le cerveau, et puis l'important c'est qu'il y a un résultat par rapport à la demande, et puis... Il y a une prise de conscience. Il y a vraiment une prise de conscience. Et c'est ce qui fait que la personne comprend ce qui se passe dans sa vie ouais. Et peut apporter elle-même, parfois, des solutions à cette problématique et la transformer, la transmuter. Il peut, comme un switch, hein. Donc il peut aussi avoir des auto-guérisons finalement. J'ai un exemple où j'ai eu une personne qui avait de l'asthme. On a été dans une vie antérieure où elle a vu qu'elle
qu'elle mourait dans un feu d'une maison, et la fumée lui avait pris les poumons et elle est morte étouffée par le feu. Et donc, ce qui fait que, en fait, elle est revenue de cette séance, elle avait pratiquement plus de crise d'asthme. Ça lui avait fait comme une auto-guérison parce qu'elle avait compris d'où ça venait. Ça ne veut pas dire que ça vient, que toute maladie ou toute problématique vienne de choses comme ça, mais pour ce cas-là, ça a été comme ça. D'accord. Ça, c'était pas un rapport avec les contrats d'âme, j'ai entendu ça une fois. Non, ça c'était son histoire par rapport à son as. Les contrats d'âme, c'est autre chose. C'est quand on veut, dans notre vie, on prépare notre vie, notre future vie, sur des D'accord. sujets que l'on veut apprendre. Et donc, on va faire des contrats avec des gens. Dire voilà, moi j'ai envie d'apprendre la jalousie. Est-ce que tu veux m'aider à me rendre jaloux dans cette vie prochaine pour que j'évolue là-dessus, que j'ai une compréhension. Et c'est souvent les contrats d'âme, ça peut être comme ça. Ça peut être aussi des contrats amoureux, ça peut être des contrats de famille où on peut avoir un père ou une mère très problématique. On va les choisir parce qu'ils vont nous apprendre à devenir autonome ou à devenir avoir plus de confiance en soi. Plein de sujets comme ça, en fait, c'est des contrats entre les âmes, entre les êtres. Ouais. Pour apprendre des choses à être, pour finalement être soi-même. D'accord, bah c'est bien parce qu'il y a des questions que je vais te poser là-dessus après. Bon, maintenant j'aimerais bien te poser des questions sur le transgénérationnel. Par exemple, moi ça m'est arrivé en cabinet d'avoir des personnes qui avaient une problématique qui semblait être liée à d'autres personnes de leur famille sur plusieurs générations. Exemple, j'ai une fille une fois qui avait des migraines. Sa mère avait des migraines, sa grand-mère avait des migraines. Alors moi je l'ai réglé en remarquant qu'il y avait un lien affectif qui faisait le lien entre, voilà. En plus, sa grand-mère venait de décéder. Et du coup, c'était son moyen à elle de se connecter à sa grand-mère avec cette migraine et à sa mère. Et c'était une certaine forme de loyauté qu'on peut voir en analyse transactionnelle, notamment. Donc, c'est un outil. Toi, comment tu fais avec ça en hypnose spirituelle? Bah écoute, le transgénérationnel, pardon, j'en ai pas eu beaucoup, D'accord. mais de ma compréhension, qui n'est que ma vérité, c'est que la vie antérieure peut être liée aussi à un transgénérationnel. Il peut y avoir, par exemple, par rapport aux migraines, ce besoin d'affection que l'on va créer par rapport à une migraine. Ouais. Dès que j'ai une migraine, je sais que j'ai de l'affectif. Donc ça peut être de génération en génération, comme de vie en vie, ce besoin que l'on a d'avoir de l'affection familiale finalement, et ce lien de vœux que l'on va générer entre nous. Ce qui va faire des contrats d'âme, des liens karmiques, des contrats karmiques, enfin, tout ce que tout le monde pense de karmique. Mais en fait, le karmique, les gens pensent en général que c'est une punition, mais toujours dans ma vérité, pour moi ce n'est pas une punition. Ouais. C'est surtout des sujets que l'on n'a pas acquis Au fil des vies, pour, du coup. voilà, au fil des vies, pour évoluer. Donc, ils reviennent pour qu'on finisse par les comprendre, par les acquérir, par les transmuter en soi. Moi, j'ai un exemple personnel. Moi, j'avais des soucis par rapport au jugement, jusqu'au jour où j'ai compris que finalement, que je fasse ou que je ne fasse pas, si la personne n'a pas envie de m'apprécier, elle ne m'appréciera pas. Donc, ça m'a libérée, ce qui fait que depuis maintenant, le jugement, bah, je l'ai acquis, ça me touche pratiquement pas. D'accord, et c'est quelque chose que ce truc au jugement, c'est quelque chose qu'il y avait dans ta famille ou dans des vies antérieures pour toi, qui était lié au passé, ou c'est juste quelque chose que tu Je ne l'ai pas avais. travaillé en vie antérieure, je l'ai travaillé avec, enfin, avec moi, avec ma petite personne. Et ça a été donc comme une évidence, ça a été une prise de conscience. Et en fait, c'est ça, les vies antérieures, c'est vraiment voir quelque chose qui te fait prendre une prise de conscience sur quelque chose qui te fait évoluer et qui te fait comprendre ce qui se passe dans cette vie actuelle. Que ce soit transgénérationnel, ils peuvent être liés, hein, le transgénérationnel avec la vie antérieure, ça peut être lié. C'est-à-dire. Tu peux vivre le même sujet Ouais. que tu n'as toujours pas Donc le acquis. même problème, du coup. Voilà, Ouais. si tu veux Ou appeler le ça sujet, oui, enfin, comme oui, c'est ça. pour que ce soit plus clair, juste Voilà. pour. Et te dire, bah, finalement, je vais rentrer dans cette famille parce que quand j'étais la grand-mère, je n'ai pas réussi à le comprendre, mais peut-être qu'en étant la petite fille, ou le petit-fils, ou le neveu, je vais mieux le comprendre. D'accord. Donc Et ça voilà. peut être que entre deux générations, parce que tu disais grand-mère et Non, petite-fille. ça peut être aussi des générations que tu n'as pas connues. Et ça pourrait pas être la grand-mère et la mère? Ce serait bizarre du coup. En général, de ce que j'ai vu, les âmes évitent en fait de se réincarner avec des gens qui nous ont connus pour justement ne pas se reconnaître parce que ça pourrait influencer la vie et D'accord. voilà. Intéressant. Donc il y a plutôt des sauts de grand-père, de arrière-grand-père. Enfin, voilà. On essaye, enfin, les âmes essayent surtout d'éviter
de se réincarner, quand c'est dans du transgénérationnel, de se réincarner avec des gens qui nous ont déjà connus. Quand c'est dans des vies antérieures, tu peux très bien te réincarner 2 ans après, par exemple, ou 10 ans après, ou 20 ans après, ou 90 ans après, dans un autre lieu, dans une autre famille, dans un autre pays, dans un autre genre de... Tu peux être homme, femme, voilà. Du coup, ton âme pourrait être, avoir déjà été dans la même famille physique, je veux dire, dans ce monde-là, dans laquelle tu es aujourd'hui. Oui, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, d'accord. Et ça peut créer des problématiques, du coup, ou des choses qui n'ont pas été réglées, qui, du coup, continuent avec le temps. Les problématiques, non, c'est surtout pour, justement, apurer ce sujet qui est à travailler et que tu n'as toujours pas acquis, que tu n'as toujours pas compris. D'accord, donc c'est toujours une histoire de compréhension. Voilà, des prises de conscience. Tu n'as pas compris, du coup, ça revient. Voilà. Ça peut revenir de plus en plus fort, j'imagine. Ça peut. On a souvent tendance à dire que le karma, si on l'évite, il revient de plus en plus pour qu'on comprenne. Tu penses quoi de ça, toi? C'est toujours pas pour moi, c'est toujours pas une punition le karma. On parle de cause à effet, oui. Cause à effet. Mais c'est une cause à effet, mais qui n'est pas punitive. C'est tu n'as pas compris, bah tu redoubles, tu recommences. Un peu comme à l'école, quoi. Voilà. Finalement, la Terre, c'est une école. Ce serait l'école de la vie. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que je suis venue apprendre les règles du jeu pour jouer à la vie. Question, cette fois-ci, sur les liens entre les êtres ou les âmes, d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on voit souvent au cabinet. En plus, il y a quelques modes en ce moment sur les âmes sœurs, les femmes jumelles, entre tout ce qu'on voit à la télé, tout ça, les films, les bouquins. Et puis, le monde qui s'ouvre de plus en plus à de nouvelles théories. J'imagine que ça peut avoir un lien quand même avec tout ce côté ésotérique ou pas de l'hypnose spirituelle. Est-ce que tu as des demandes comme ça parfois sur des gens qui viennent te demander pourquoi cette personne, j'ai l'impression d'être connectée à elle? Oui, j'en ai, oui. Ouais, j'en ai. Après, comme je dis souvent, chaque lien, c'est toujours ma vérité, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle soit la réalité. Chaque lien, quel qu'il soit, est un apprentissage. Alors, que ce soit un lien toxique, que ce soit un lien d'âme sœur, que ce soit un lien de flamme jumelle, c'est un lien pour apprendre ensemble un ou plusieurs sujets, ou même tout seul, pour évoluer. Tu peux revenir sur les mots que tu viens de dire? C'est-à-dire lien toxique. Qu'est-ce que tu entends par lien toxique d'abord? Les liens toxiques, c'est bah, des gens se disent, voilà, je m'entends pas avec cette personne, comme les pervers narcissiques, voilà, on appelle ça un lien toxique. D'accord. Voilà. Ça ressemble un petit peu à... C'est vrai que comme on est dans une polarité de dualité, donc le bien et le mal, ouais. Donc on va se dire c'est un lien toxique, c'est un pervers narcissique, mais au niveau de l'âme, finalement, ce sont des liens que l'on... comme tu disais tout à l'heure, comme des contrats d'âme, pour apprendre quelque chose ensemble. Est-ce qu'un lien toxique, ça peut être une relation karmique aussi? Mais finalement, toutes les relations sont karmiques. Toutes les relations sont karmiques. Voilà, mais sauf si tu penses que c'est une punition. Donc, après, quel que soit le karmique, ça peut être un karmique négatif, comme un karmique positif. D'accord. C'est toujours dans cette polarité de bien et de mal qu'on va interpréter, avoir un point de vue sur ces liens-là. Qu'au niveau de l'âme, c'est un lien pour apprendre ensemble. D'accord. Et évoluer ensemble, parce que finalement, si, quelle que soit la personne dans la toxicité, oui, victime, bourreau ou sauveur, finalement, on va apprendre ensemble à évoluer. Donc là, tu cites le triangle de Karpman, donc du coup, quand même, les liens toxiques sont souvent liés au triangle de Karpman, d'après ce que tu... D'accord. Et ça même en hypnose spirituelle, du coup. Bien sûr. Okay. Mais ça, c'est un concept qui est plutôt... Ça n'empêche pas. Ce sont des liens entre personnes. Des liens entre personnes. Voilà. C'est juste dans la matière... finalement, qu'il y a cette polarité de bien et de mal, qu'il y a cette dualité. Il est méchant, il me fait du mal, je suis une victime. Oui. Alors qu'en fait, on a, au niveau de l'âme, c'est nous avons un lien pour apprendre quelque chose. Tu vas faire ceci, moi je vais recevoir cela, je vais t'apporter ceci pour que tu apprennes cela. Et nous avons évolué ensemble. Et si quelque chose ne s'est pas passé dans une vie, alors il est possible que ce truc-là revienne avec la même âme sur une autre vie? Pas obligatoirement avec la même âme, mais ça peut. Ça peut. Ça peut, si elles ont décidé de le faire encore une fois ensemble. D'accord. Est-ce qu'une âme sœur, ce serait quelque chose comme ça, du coup? Une âme sœur, c'est surtout une âme avec qui l'on a fait de nombreuses vies. Ça peut être une âme sœur avec qui on s'est bien entendu, des âmes sœurs avec qui on ne s'est pas bien entendu. Les âmes sœurs, finalement, c'est une famille. C'est une famille, d'accord. Donc, ce n'est pas du tout le concept qu'on peut voir parfois sur l'amour... Enfin, de l'amour, bien sûr, mais ouais. Ça peut être... C'est pas, enfin, toujours pas pour moi, hein, toujours dans ma vérité. Les âmes sœurs, c'est surtout des liens. C'est que des liens, finalement. On est tous interconnectés.
D'accord. Par l'âme, par la conscience, où on apprend des choses ensemble. Donc, âme-sœur, c'est à la limite la relation la plus douce dans le lien. La plus douce. Mm. Et ça peut être, si j'ai bien compris, ça peut être autre chose qu'un partenaire de vie, ça peut être un ami, ça peut être un membre de sa famille. Voilà. Un ami, un conjoint, un enfant, un oncle. Et du coup, on peut avoir plusieurs âmes-sœurs. Tout à fait. On peut en avoir jusqu'à combien, tu penses? Beaucoup? Si t'as beaucoup d'amis, t'as beaucoup d'âmes-sœurs. D'accord, donc tous mes amis seraient mes âmes-sœurs? Ça peut être, oui, bien sûr. Si je les choisis bien, c'est ça. D'accord, c'est bon à savoir. À partir du moment où il y a une connexion, ça veut dire que nous sommes dans un noyau d'âmes-sœurs où on apprend des choses ensemble. D'accord. Donc si tu regardes dans les concepts, il faut regarder, lire par exemple le livre du docteur Michael Newton, où tu comprends qu'il y a plusieurs groupes d'âmes. Ouais, comme les familles d'âmes, c'est ça. Voilà, et qui se réincarnent en fait pour apprendre des choses ensemble. Ils peuvent après avoir différents groupes d'âmes qui peuvent s'interconnecter aussi pour apprendre des choses ensemble. Tu vois, tout ça, c'est des questions de lien pour apprendre des choses ensemble, évoluer. Et tu as parlé aussi d'un autre concept qui est celui des flammes jumelles, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Oui. Est-ce que tu peux expliquer en deux mots ce que c'est, quel est ton ressenti par rapport à ça? Moi, dans ma compréhension, c'est que en fait, c'est l'âme qui arrive et qui se divise en deux polarités. Pas obligatoirement du bien et du mal, mais deux polarités de compréhension. Donc ça peut être finalement un homme, une femme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. D'accord. Il n'y a pas de genre... Mais chacun aura une polarité différente. Voilà, de compréhension. Voilà. Tout à fait. Ce qui fait que ça permet à l'âme, finalement, à évoluer plus rapidement. Plus rapidement. D'accord. Des apprentissages, des prises de conscience plus rapides. Comme quand une âme décide de s'incarner dans un corps de personne handicapée. Oui. Donc, il y a deux raisons à ça, en tout cas dans mes compréhensions que j'ai eues. C'est que soit c'est pour apprendre plus vite, oui. Parce que c'est un corps plus... C'est un corps différent qui, entre guillemets, est plus difficile dans la compréhension de tous les jours, de la vie de tous les jours, etc. Ou ça peut être aussi une réparation par rapport à des choses que l'on a fait dans d'autres vies, mais toujours pas dans le concept de punition, de réparation pour comprendre pourquoi il y a des choses qui ne sont pas transmutées ou acquises. On s'est dit, en fait, il y a des corps qui font que l'on apprend plus rapidement. Et l'on évolue plus rapidement aussi. D'accord. Donc, si on partait du principe que quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses difficiles évolue, est-ce que c'est quelque chose qui semble vrai ou... Enfin, évolue plus vite, du coup. Est-ce qu'il faut forcément souffrir pour évoluer plus vite ou au moins avoir eu des expériences après. Enfin, disons que c'est nous qui, dans la polarité de la matière, donc c'est dans cette dualité, on prend ça comme de la souffrance. Et c'est vrai que c'est... Il y a des scènes ou des expériences qui sont... vraiment très, très douloureuse, oui. On ne peut pas se le cacher. Mais dans la conscience, c'est surtout des façons d'apprendre. Parce que si c'était simple, on ne comprendrait pas, finalement. Si on avait la solution, on ne comprendrait pas. Il y a aussi, j'imagine, toute une partie où il faut désapprendre des choses. Oui. Qu'on pensait qu'il y ait, un peu comme qu'on a en cabinet, en thérapie, pas spirituelle. Désapprendre, tu dois. Désapprendre, tu dois. Merci Yoda pour cette citation. Et du coup, est-ce que toi, avec l'hypnose, du coup, c'est la régression qu'on fait, hein, oui. D'une certaine façon. Oui, c'est ça. Même si c'est l'hypnose de régression. L'hypnose de régression. Est-ce qu'avec ça, tu peux valider un lien d'âme-sœur, valider un lien de femme jumelle, parce qu'on la rencontre dans une autre vie? Est-ce que ça, c'est possible? On peut poser la question. On peut poser la question. Oui. Et est-ce que c'est possible que si on pose la question dans une vie antérieure, on reconnaisse quelqu'un? Oui, ça arrive. Ça arrive? Oui. Ça a un sens particulier ou... Ça peut avoir un sens pour la personne, oui, bien sûr. Ça peut lui apporter plein de réponses et se dire, mince, je comprends mieux pourquoi mon père était pas cool. C'est parce qu'on a fait ensemble, on a décidé ensemble. Et finalement, c'est beaucoup d'amour ensemble. D'accord. On se partage. Finalement, s'entraider, c'est de l'entraide, finalement. Des liens d'entraide entre nous pour évoluer. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, dans cette vie, du coup, où on est là, on peut créer des nouvelles âmes sœurs, des nouveaux liens, comme ça? Quand est-ce que ça se crée, ce truc-là? De vie en vie. De vie en vie. Donc là, dans cette vie-là, on pourrait créer de nouvelles âmes sœurs? Enfin, ça continue à arriver dans toutes les vies qu'on a, quoi. Ça c'est peut-être des gens que tu as déjà connus, peut-être.
Ça peut être ou des gens que je connais déjà, mais est-ce que du coup je peux rencontrer des gens maintenant qui plus tard. Que tu n'as jamais connus dans d'autres vies deviendront mes âmes sœurs possible. Selon Dolores Cannon, il y a des vagues de volontaires. Des vagues de volontaires. Oui, des vagues de volontaires de nouvelles âmes qui arrivent. D'accord. Donc on le voit dans les enfants, hein, des enfants qui s'occupent d'enfants, qui créent des choses pour les enfants, pour la Terre, pour l'évolution humaine. Donc oui, bien sûr. Tu peux préciser ça, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, les enfants qui s'occupent d'enfants. En fait, ce sont des nouvelles âmes, des âmes plus évoluées. Enfants, parce que c'est des âmes ou enfants, non, c'est des âmes qui... Bah, c'est des enfants parce qu'ils ont 10, 15, 20 ans, quoi. Ah d'accord, ok. Voilà. C'est pour ça que j'appelle ça des enfants. Ok, c'est bon de préciser. Enfant, est-ce qu'à 20 ans on est enfant? Je sais pas. Et du coup, ils s'occupent des plus jeunes que c'est ça? Cette vague-là, oui. Cette vague d'enfants, ces dernières vagues, s'occupent surtout des enfants pour un futur beaucoup plus sympa, on espère. Et ces vagues-là, quand tu dis c'est des volontaires, ça se passe comment? Enfin, c'est des âmes qui sont pas là, du coup? Elles sont où, les âmes qui sont pas là? C'est des âmes qui viennent d'autres contrées. D'accord. C'est très précis. D'autres qui ont été appelées, de ce que je lis, bien sûr, parce que j'ai lu pas mal de choses. Donc, ce sont des âmes qui viennent d'autres mondes, qui ont été appelées pour venir aider la Terre et l'évolution des humains. Donc, c'est pas forcément des âmes qui ont été incarnées en humain. C'est ça que, quand tu dis d'autres contrées, c'est ça que tu sous-entends. Oui, ce sont des âmes... D'autres mondes, quoi. Voilà, d'autres mondes. Donc, il y aurait d'autres mondes et il y aurait aussi, en au-delà, on pourrait appeler ça comme ça, l'entrevie. D'accord. L'entrevie, on peut appeler ça l'au-delà. Et l'entrevie, du coup, on y accède par la... Enfin, on y accède réellement, l'âme y accède réellement par la mort. Oui, ou par les EMI, par exemple. Ah, le TCH, les expériences de mort imminente. Voilà, le TCH avec le docteur Charbonnier. D'accord, c'est ce qu'on pourrait... C'est quoi le TCH? TCH, c'est la transcommunication hypnotique. D'accord. Si je me trompe pas. Est-ce que les gens qui... Alors, c'est un peu hors cadre, mais les gens qui font des sorties de corps, on peut considérer qu'ils vont dans notre vie ou pas du tout? Ils peuvent y accéder ou... Oui, ils peuvent y accéder. Oui, c'est souvent des voyages astraux. Ils peuvent très bien accéder... Après, ça dépend de leur niveau de conscience, bien sûr. Ils peuvent accéder à des êtres chers, ils peuvent accéder à des parties de réparation d'âme. Parce qu'il y a... Dans notre vie, après, il n'y a pas que le tunnel, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ok, et du coup, comme tu étais en train de me dire là qu'il y avait, beaucoup de choses, tu l'as appris en formation, dans des bouquins, dans ton ressenti, dans tes séances, et ça, c'est un ensemble de tout ce que tu as vécu, c'est un ensemble. Appris. C'est un ensemble de savoirs, de connaissances, de pratiques, de lectures, de vidéos, de messages que je reçois aussi parfois. D'accord. Toi, tu es en connexion avec tes guides, du coup, souvent? Quand même? Souvent, quand je les écoute. Quand tu les écoutes? Non, mais après... C'est un peu comme l'inconscient, quoi. Voilà, Après, ils sont mignons, ils font comprendre certaines choses avec les gens quand les gens ne m'écoutent pas. D'accord. J'ai une petite prise de conscience qui me dit, tu vois, quand tu ne nous écoutes pas, regarde, les gens ne t'écoutent pas. D'accord. Donc ça me fait rire, c'est mignon. Bon, et du coup, après ces magnifiques séances qui durent longtemps, du coup, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand la personne elle revient? Est-ce que parce que du coup elle vient avec de la compréhension, si j'ai bien compris? Oui, il y a plus de conscience. Du coup, il y a un peu plus de sens. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et est-ce que qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que des fois tu envoies voir un quelqu'un qui fait autre chose, s'il y a besoin d'un travail autre par-dessus? Est-ce que ça suffit, la prise de conscience sur quelque chose à changer sa vie? Comment ça se passe? Bah, écoute-moi, pour l'instant, ça suffit à la personne par rapport à ses questionnements. Ouais. Donc, je n'ai jamais envoyé quelqu'un voir quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de problématique à proprement parler quand les gens viennent, c'est plus des questions, c'est ça? C'est surtout des questionnements pour comprendre des choses, pour un développement personnel. Si quelqu'un venait avec, par exemple, une addiction, si elle était boulimique, par exemple, et qu'elle voyait que dans les vies antérieures, c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait, ou qu'il y avait un lien avec elle peut poser ces questions-là et comprendre pourquoi elle en est arrivée à être boulimique, ou anorexique, ou alcoolique, enfin, quelle que soit l'addiction. Et là, elle pourrait comprendre, du coup? Oui. Mais est-ce que tu penses que ça suffirait pour que ça s'arrête dans cette vie-là? Après, c'est propre à chacun, finalement. Pas toujours. Pas toujours. Mais ça peut déjà aider de comprendre, oui, de donner du sens au pourquoi. Oui, tout à fait. De faire un lien avec, du coup, quelque chose qu'on a vécu, et du coup, peut-être déculpabiliser un peu dans cette vie aussi, parce que ça peut être super. C'est vachement.
C'est un choix de comprendre cela et d'avancer ou pas. Parce que après, c'est comme tout, hein. Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher? Quel bénéfice secondaire j'ai ou pas, finalement, même si j'ai compris, finalement, tout est un choix par rapport à la personne. Mais elle a compris certaines choses. D'accord. Quand tu fais un réveil, est-ce que tu fais des suggestions particulières? Oui, je fais des suggestions possibles d'optique, comme une tutorisation où elle se voit, par exemple, sans cigarette ou sans addiction, ou si elle avait un manque de confiance en elle, de comprendre comment elle serait si elle avait confiance en elle, Grâce à etc. tout l'apprentissage qu'elle a Voilà, fait c'est pendant ça. cette. C'est ça. D'accord. Il y a des gens qui reviennent te voir après pour la même problématique ou quand ils reviennent, souvent Non, c'est autre ah, chose. Hein. c'est autre chose. C'est C'est autre autre chose. chose. D'accord. Avec une séance de 4 heures, on peut brasser beaucoup de choses quand même, Oui, on peut j'imagine. brasser. Et après, tu sais, c'est comme tout, hein, durant les vies antérieures, ça dépend si la personne, elle peut très bien parler beaucoup, te dire beaucoup de détails, elle peut être silencieuse ou tu es obligé d'aller à la pêche aux questions et aux réponses. Ça dépend vraiment de la personne. Ça peut durer 2 heures, comme 3 heures, comme Et en plus, ça dépend du j'imagine sujet. que pendant la pêche aux questions, il faut être le moins précis possible pour pas influencer. C'est ça. Parce que c'est surtout ça, c'est pas un peu ça le truc le plus dur, tu penses? Enfin, moi, je me demande si c'est pas un peu la difficulté vraiment d'une séance de hypnose spirituelle, c'est de pas être dans quand tu questionnes en vie antérieure, de pas orienter, quoi, parce que c'est super Si ça difficile. peut, ça, si tu peux être là. Alors c'est quoi le prochain épisode? C'est qu'est-ce qui se passe? Non, t'essaies vraiment de rester vraiment dans ce cadre ou de te dire voilà, je pose mes questions par rapport à ce qu'elle me dit. Ça, c'est une difficulté qu'on retrouve dans beaucoup d'autres disciplines, hein, je trouve, de savoir être le plus. En orientant le moins, surtout. C'est ça. Ça, c'est assez Après, des difficile. fois, t'as des histoires que t'as envie de T'as envie qu'est-ce d'en qui se savoir passe? plus. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et je t'ai pas demandé, c'est des bribes d'histoire, c'est ça? Mais ça arrive toujours au moment important de la vie. Voilà. Parce que ce n'est pas de la naissance à la mort, à chaque fois, dans chaque Non, vie. non, non. Ça peut être très bien quand il était enfant, il se voit enfant, comme il se voit adulte, comme il se voit vieillard. Et C'est ça va ça. jusqu'à la mort ou ça peut être juste une partie? Ça peut être, c'est une partie. Et puis moi, je le fais aller à un moment donné quand je lui demande est-ce qu'il y a d'autres vies, parce que je questionne, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une autre vie qui arrive ou est-ce que tu penses que c'est terminé, etc. Est-ce que tu perçois que tu as autre chose à apprendre, à comprendre? Et que si il me dit non, bah là je l'accède au dernier moment de sa vie pour après accéder à la vie, à l'entrevie. Et ça, c'est une question que je me pose personnellement. Est-ce que notre façon de mourir dans d'autres vies peut devenir quelque chose qui se répète aussi? C'est-à-dire. C'est-à-dire quelqu'un qui serait mort, je sais pas, d'un accident de cheval, est-ce que quelques années plus tard, il pourrait mourir d'un accident de voiture? Est-ce que la façon dont on meurt peut Ça être un peut. ancrage entre les vies aussi, un Ça truc qui peut. se répète? Ça peut, oui. Ça peut. Quelqu'un qui naît Comme tu peux mourir différemment. très jeune, par exemple, quelqu'un qui un mort-né, est-ce qu'un mort-né, ça peut être quelque chose qui peut avoir un lien avec des vies antérieures? Ou quelqu'un qui ne vivrait C'est toujours dans les liens finalement de contrat d'âme où on se dit bah voilà, tu vas tomber enceinte de moi et puis moi finalement je vais repartir, il va y avoir une fausse couche, c'est pour que tu comprennes quelque chose par rapport à la maternité par exemple. Et ça, ce sera pour que la personne enceinte comprenne quelque chose. La mère ou le père ou la famille, il y a toujours une raison. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu, Conversation avec Dieu, c'est C'est ça, ça. hein? Où je crois qu'il parle de ça, il parle de cette histoire de. C'est ça. C'est tout à fait ça. Comment ça s'appelle? Il parle de cette histoire de quand la personne meurt, ça peut être une épreuve ou un apprentissage pour la personne qui meurt ou pour Ouais. les autres qui restent. Toujours, 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 il y a toujours un apprentissage, mais maintenant, est-ce que la personne l'a acquis ou pas? C'est ça. Pour toi, c'est quoi vraiment qui fait la différence entre les personnes qui l'acquièrent et ceux qui. C'est juste les croyances? C'est ce qu'ils pensent, Non, c'est leur. c'est les prises de conscience. C'est vraiment une prise de conscience, mais après, perdre un enfant, c'est compliqué d'avoir une prise de conscience. Il y a la douleur, j'imagine, il y a quand même Voilà, tous les trucs. c'est ça. Se dire, bah voilà, mon enfant, je l'ai perdu, en fausse couche, en avortement, peu importe. Ça s'est passé parce que j'avais quelque chose à comprendre. Sur le moment, tu penses pas ça, absolument pas. Tu es tout le Mais temps, tout le monde tu est es capable surtout. à un moment donné d'y accéder à cette Il y a compréhension-là. certaines personnes qui accèdent, oui. Ça dépend toujours de ton. Je dis pas qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres. Hein. C'est vraiment par rapport à des prises de conscience, ton niveau de conscience, tes liens que tu vis avec les gens. C'est vraiment une question de niveau vibratoire, d'énergie, de l'âme et d'où elle en est dans ses acquis. Ça, c'est quelque chose qu'on peut percevoir, le niveau d'âme. Comment on sait
quand on est plus éveillé, du coup, j'imagine, c'est le mot. C'est ça, hein, c'est quelque chose qu'on perçoit. Les gens appellent ça les éveillés, oui. Les éveillés, enfin, c'est un mot que j'entends souvent, moi, ouais. qui me parle, du coup. C'est mignon, c'est mignon, ça a un rapport avec la lumière. Il y a le siècle des Lumières, alors pourquoi pas le siècle des éveillés. Oui. Mais est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui... c'est un truc que tu perçois, comment tu le sais? Est-ce que toi, tu le sais sur toi-même, déjà, si t'es éveillé sur quelque chose, à part la prise de conscience qu'il fait, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent sur Terre plus éveillés que d'autres à la base? Oui, parce qu'elles sont plus acquis. Et en fait, les éveillés, tu peux les voir ou les percevoir, on va dire plutôt, les percevoir quand ils sont plus en acceptation. En acceptation, la résilience, le fait de... Oui, une forme de résilience, l'acceptation, la compréhension. Regarde Mandela, c'était un être éveillé, il a pardonné quand il était en prison. Ouais. C'était un être éveillé. Comme par exemple, il y a eu des histoires où les enfants ont été tués, les parents ont pardonné le tueur. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui serait comme Mandela, par exemple, si tu le compares à... J'ai toujours cette image des moines bouddhistes qui font votre silence, qui paraissent, du coup, dans l'éveil absolu, où il n'y a plus de besoin, il n'y a plus rien. Est-ce que ces gens-là, ils sont... J'ai cru comprendre que ces gens-là, ils n'allaient plus trop se réincarner après, parce qu'ils avaient atteint le niveau qu'ils avaient besoin d'atteindre dans la vie terrestre. Mmh. Et après, ils n'ont plus besoin de se réincarner. Ou pas. Ça dépend aussi toujours de leur niveau de conscience, d'acquis. Est-ce qu'ils ont tout acquis en étant moins tibétains? Je ne sais pas. Le Dalai Lama, il faut croire que oui. D'accord. Et voilà. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent. Mais tu peux très bien trouver un Indien, comment on appelle ça, un aborigène. Voilà. Avoir un taux d'éveil excellent et parfait, comme un Dalai Lama ou comme Oui, parce que finalement, c'est pas l'âme, c'est pas le... C'est voilà, c'est pas une question de corps, c'est pas une question de ce que... Si, de ce que tu veux aussi, mais c'est vraiment par rapport à l'âme. Et du coup, le but de la vie, là, dans tout ce que tu me dis, si j'ai bien compris, ce serait d'éveiller son âme par les expériences de vie. C'est ça, pour aller vers soi. Et une fois qu'on a expérimenté tout, c'est possible d'expérimenter tout? J'espère. Et une fois que c'est possible, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus besoin de s'incarner. Non, tu n'as plus besoin de t'incarner. Et on devient quoi, du coup? On devient des guides. Des guides. Des guides. D'accord, donc on aide d'autres âmes à... Voilà, évoluer. Certains disent aussi qu'ils retournent à la source. La source, voilà, d'accord. Qui peut être une chose, j'imagine. Voilà, ça dépend de la matrice, voilà. D'accord. Ça dépend des croyances de chacun. Bon, écoute, merci pour toutes ces informations vraiment très intéressantes. Du coup, après cette longue discussion, j'aimerais qu'on fasse un petit résumé de qu'est-ce qui est pareil en hypnose spirituelle et en hypnose ericksonienne au plus général, et qu'est-ce qui est différent. Donc je te donne quelques trucs et tu me dis si j'ai bon. Okay. Déjà, on a une anamnèse, si j'ai bien compris, c'est ça. Avec une liste de questions qui se posent pendant l'entrevue, c'est toi qui la poses, c'est ça? C'est la liste que la personne fait, c'est ça? Et que moi je pose dans l'entrevue. D'accord, donc il y a l'anamnèse, il y a une mise en transe, donc avec une induction, et voilà, parfait, une induction complètement. Il y a tout le travail sur la perception, oui. Comment l'autre perçoit et comment tu l'accompagnes dans sa perception. Il y a tout le travail de calibration aussi, oui. Parce que j'imagine que parfois la personne, quand elle rentre dans sa vie antérieure, elle peut changer de voix, si ça devient un homme, par exemple, ce genre de choses, ça arrive, ça? Oui, elle peut avoir une voix plus grave. Ça, c'est quand même important de le calibrer. Oui, ou s'il y a une émotion qui vient, de savoir être là aussi, quand même. C'est ça. Une utilisation du VACOG, du coup, enfin, de tous les canaux privilégiés ou pas, d'ailleurs. Il y a la calibration de la transe aussi. J'imagine que des fois, tu as les yeux, changement de couleur de peau, ce genre de choses. Tu utilises des ancrages? Oui, parfois, okay. J'utilise des ancrages aussi. Des ancrages. Et quoi d'autre? Régression aussi, du coup? Enfin, c'est régressif. Oui, du c'est régressif. Mais là, du coup, c'est régressif dans un autre monde, quoi. Enfin, dans le monde que la personne nous emmène. Dans le monde, que, voilà. Mais je veux dire, pas régressif dans le sens à l'enfance ou ce genre de choses. Non. Ok. Donc, ça, c'est les points communs qu'il y a. Maintenant, les vrais différents, j'en ai listé quelques-unes. J'aimerais que tu me dises si c'est bon. Déjà, il y a une recherche du sens spirituel. Oui. Donc, vraiment à un niveau spirituel. Pas forcément ce qu'on cherche, des fois c'est une recherche au niveau comportemental, dans la thérapie, tout ça, des fois, ou identitaire. Là, c'est une question, puis finalement on obtient notre réponse. Voilà, donc là c'est plus le sens tout en haut de la pyramide de Dix, du coup, sur le plus haut niveau. Il y a le temps des séances, oui. Ça peut, parce que ça, bon, après on peut faire des séances de 4 heures, mais c'est un peu long là, du coup ça peut être. Pour le praticien, parce que... Imagine, ça prend un peu d'énergie. Ouais. Ouais, non, parce qu'après le sujet c'est comme tout, hein. il a
les distorsions du temps, il a l'impression qu'il a fait une demi-heure, par exemple, tu vois. D'accord. C'est juste pour préciser que c'est dur, 4 heures. Ce qui est vraiment différent aussi, si j'ai bien compris, c'est que finalement, au cœur de la séance, t'essayes de faire le moins de suggestions possible. C'est ça. Pour ne pas créer de souvenirs, justement. Tout à fait. Pour ne pas trop orienter. Voilà, moi, les questions que je fais, j'essaie vraiment de faire des questions ouvertes par rapport à ce que me dit la personne. Et ça, c'est une vraie différence, je pense, qui peut être... Enfin, alors, en régression, on essaye de ne pas trop orienter non plus, hein, bien sûr. Mais c'est généralement, dans une séance d'hypnose normale, on fait des suggestions beaucoup dans la séance, quoi. Autre qu'au moment de l'induction et du réveil. C'est ça. D'accord, donc ça. Et puis, je pense aussi, avec tout ce qu'on a dit là, qu'il y a un besoin quand même de connaissance sur le monde spirituel. Oui, 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 ça, parce que c'est canine... Non, en général, parce que sinon c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'est vraiment ce qui ferait vraiment qu'un praticien qui voudrait se lancer là-dedans aurait du mal à y aller sans savoir quel terme il utilise, quoi. Tout à fait. Tu aurais deux trois pistes à donner comme ça pour apprendre, des livres, des films? Des livres, par exemple, tu peux lire les livres du docteur Michael Newton. D'accord. Tu as Brian Bass, tu as Dolores Cannon. J'en vois pas d'autres. Des films, tu as par exemple un film qui est basé sur une histoire vraie, c'est Les Ombres du passé, ouais, dont l'actrice c'est Jane Seymour. D'accord. Tu as Cloud aussi, par exemple. D'accord. Je vais vous faire une liste à la fin de cette vidéo pour vous. Et voilà. Tu as aussi le docteur Moody qui avait fait, tu sais, par rapport au NDE. Ah oui, d'accord. Ça peut être très intéressant aussi. Ouais. Tu as donc le docteur Charbonnier qui est intéressant aussi à visionner. À lire. Tu as aussi Mario Beauregard qui est neuroscientifique québécois qui travaille avec Jean-Charles Chabot dans ses recherches plus scientifiques par rapport à tout ce qui est spirituel et les régressions spirituelles. Jean-Charles Chabot qui est le directeur de l'école ou le formateur que tu as voilà, eu c'est et c'est le directeur aussi de l'école, c'est ça? Voilà. Qui est spécialisé dans l'hypnose spirituelle. Oui. Et tu as aussi par exemple Daniel Moreau, si tu veux apprendre un peu plus sur ce qui est l'âme, enfin tout ouais, ce qui est ésotérique, comme tu dis. Qui peut être voilà, ésotérique à un moment donné, ouais, d'accord, complètement. Ouais, écoute, merci pour tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça, vraiment, concrètement, en tant que praticien, du coup, je vais être... Ça m'apporte... ça m'élargit ma conscience dans l'absolu, d'apprendre plein de choses, de comprendre plein de choses, de travailler sur moi aussi, finalement, ouais, sur le pardon, sur la bienveillance, sur l'écoute, la tolérance, ça m'a beaucoup enrichi d'apprendre cet univers et d'apprendre sur les gens. J'en apprends. Je suis devenue beaucoup plus observatrice des gens et c'est chouette. Et t'aurais, avec ce que t'as là déjà, c'est plutôt ta spécialité, t'as pas forcément envie d'aller voir d'autres choses, c'est vraiment le truc que t'aimes faire toi. Je suis ouverte à d'autres choses, hein, sans aucun problème, hein, mais pour l'instant c'est vraiment... mon dada, ça, ton domaine. Ouais, c'est un kiff. Et bien, figure-toi que c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette interview avec toi et qu'il était merci, très intéressant, donc je te remercie pour ça. Merci et là, d'avoir bah, avec grand plaisir. Et là, je vais vous mettre la liste de tout, de tous les choses que tu as citées, donc les livres et voilà. Et si vous avez des questions, bah, on s'arrangera pour essayer de vous y répondre avec grand plaisir. Et je vais également vous donner le contact d'Alice si vous voulez l'avoir en séance ou lui poser des questions. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes bien sur la chaîne de thérapie et d'information OSE. Vous allez avoir mon numéro et tout ça aussi si vous avez envie de partager. Si vous avez quelque chose à partager d'ailleurs et si vous êtes spécialiste dans quelque chose, dans une autre forme d'hypnose ou que vous avez un point de vue, je serai ravie de vous interviewer. Et pour les autres, à bientôt. Ciao. Au revoir.